je suis Myriam Endel, directrice marketing et digital de la marque de bagagerie DLC Paris. Donc ça consiste à la fois dans toute la partie e-commerce, donc le business, mais également la communication digitale, notamment avec les réseaux sociaux. Alors, ce qui m'a amenée à faire ce master, c'est qu'en 2015, j'ai fait un point sur ma carrière. Ça faisait 13 ans que je travaillais dans les cosmétiques. Et les dernières années, je n'avais pas vu tellement d'évolution dans mon poste. Donc, j'ai senti vraiment ce plafond de verre au-dessus de ma tête. C'était le digital qui me manquait. Donc, j'ai commencé le master, j'ai fait 2 ans. Vers la fin, en fait, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Et dans la semaine qui suivait, j'avais eu un appel d'un chasseur de tête pour un poste de directrice marketing adjointe. C'était un peu ce que je voulais. C'était la projection, en fait, pour moi, c'était effectivement d'accéder à un poste de directeur. C'était un grand challenge, consolider en fait un travail à 100%, la famille et le master. C'était aussi un peu une prise de risque de se remettre un peu à l'école, d'apprendre, de faire des devoirs, etc. Finalement, c'est extrêmement intéressant de travailler avec des profils très variés. L'avantage de Sciences Po, c'est que c'est toujours très global, que c'était ça aussi qui m'avait attiré dans le master, c'est que le fait d'avoir appris à la fois l'histoire du digital, un petit peu les bases du codage. Ça donne vraiment une compréhension globale du digital qui me permettent aujourd'hui de pouvoir travailler aussi bien effectivement dans la communication que dans le business. Si je peux te donner un conseil, ce serait de faire ce master, d'oser faire le pas, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses, que c'est un grand avantage pour la vie professionnelle. On voit aussi qu'on est capable d'apprendre vraiment des choses très différentes, d'aller sur des sujets sur lesquels on s'imaginait pas forcément avoir des compétences. C'est extrêmement riche et bénéfique pour une carrière professionnelle.